Bonjour à tous, Christophe Tripodi de la société Cache Alimentaire du Sud-Est. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette facile à exécuter. C'est un filet de Saint-Pierre au sarrasin sauce parmesan. Pour cela, il va nous falloir du filet de Saint-Pierre qui a été décongelé hier. Ce sont des filets de Saint-Pierre en 200 g. Nous avons besoin de sarrasin grillé que nous mettrons à bouillir tout à l'heure. Plus du parmesan Reggiano, de la crème liquide spéciale cuisson qui permet une réduction rapide pour effectuer rapidement des sauces. Bien sûr, ensuite de l'oignon jaune, un peu de persil, de l'huile d'olive extra vierge d'Italie qui vient de Ligurie, du poivre de Tanzanie et du sel. Nous allons donc mettre de l'eau à bouillir pour faire cuire le sarrasin. En même temps, je fais revenir les oignons jaunes avec de l'huile d'olive. Dans une autre poêle, nous allons préparer notre sauce. Quand les oignons sont légèrement dorés, nous commençons à rajouter un peu de persil. La crème est en train de bouillir parce qu'elle réduit. Nous rajoutons du poivre de Tanzanie et nous rajoutons le parmesan. Ma sauce est prête. Ma poêle est prête à recevoir le Saint-Pierre. Pendant ce temps-là, l'eau commence à bouillir. Je vais rajouter le sel. Je verse mon sarrasin. Le temps de cuisson est de 10 minutes. Nous mettons à cuire le filet de Saint-Pierre. Une fois qu'il est doré, nous le retournons et nous le faisons cuire du côté de la peau. Et nous réduisons la température. Mon sarrasin est cuit, je vais l'égoutter. Pour égoutter, je verse mon sarrasin dans la sauce au parmesan et je mélange. Le filet de Saint-Pierre est cuit, le sarrasin est également cuit dans sa sauce, il ne reste plus qu'à dresser. Filet de Saint-Pierre au sarrasin sauce parmesan. Bon appétit !